Charline Picon, 40 ans cette année. Elle a marqué l'histoire olympique en remportant l'or en planche à voile à Rio en 2016. Après avoir donné naissance à sa fille, Charline a participé aux JO de Tokyo en 2021, décrochant cette fois l'argent. Elle est aujourd'hui qualifiée pour ses troisièmes Olympiades, mais change de support, le 49er, en duo avec Sarah Steyart, une nouvelle routine sportive. J'essaie de bien gainer, voilà. Je travaille avec un bon ancrage avec les deux pieds au sol. J'ai réussi à prendre 4 kilos depuis 2021. Et si je pouvais prendre plus, c'est bien, mais ça prend beaucoup d'énergie. Les séances sont dures, donc c'est bien d'être accompagné, d'avoir des encouragements et de la sécurité aussi. Même sur tout ce qui est développé couché, c'est plus sécure. Sur la correction des positions aussi, c'est bien d'être entouré. Ouais, okay. Je tire avec l'omoplate, mais tu travailles aussi beaucoup avec les obliques. Dans les grandes lignes, je pourrais me débrouiller, mais c'est vachement cool de gagner aussi en charge mentale, c'est-à-dire que là, j'arrive, ma séance, elle est prête, Amandine est là pour nous soutenir, pour nous pousser, donc ça, c'est cool. Voilà, en 3 mois, on ne va pas révolutionner les choses, hein. Il faut continuer sur ce qu'on fait, ce qui a déjà marché, et puis maintenir un état de forme pour être bien pendant les Jeux. Charline a été la première Française double médaillée en voile. Elle a l'occasion d'écrire encore un peu plus l'histoire si elle monte à nouveau sur le podium lors des Jeux à Paris.